Salut à tous, c'est Grégory. Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette originale des frites de légumes en tempura. Pour ça, nous avons besoin d'huile, de panko, qui est de la panure japonaise, de farine de riz, d'un petit peu d'eau, de légumes, courgettes, carottes et mini fenouil, et enfin d'une pointe de sel. Nous allons commencer par préparer les légumes pour les tailler en frites. Je vais commencer par les carottes que je vais éplucher. Maintenant, nous allons découper des frites de courgettes. Je vais bien enlever la pulpe de la courgette, c'est-à-dire l'intérieur, comme ça elles resteront bien croquantes. Et maintenant, je vais les découper en bâtonnets. Enfin, je vais terminer avec mes mini fenouilles. Voilà, mes légumes sont prêts. Maintenant, je vais préparer ma tempura en mélangeant l'eau et la farine de riz. Je mets ma farine de riz que je vais délayer avec de l'eau. Mon mélange est suffisamment liquide, je vais rajouter une pointe de sel. Ma pâte à tempura est prête. Maintenant, je vais faire chauffer mon huile. Donc, on va commencer à paner les carottes. Pour cela, on va les tremper dans notre mélange, puis on va les rouler dans le panko. Il ne reste plus qu'à les frire. Maintenant qu'elles sont cuites, on va les réserver sur un papier absorbant. On répète l'opération avec les courgettes et nos mini fenouilles. Voilà, c'est prêt. Maintenant, il ne reste plus qu'à dresser. Alors, pour présenter nos frites, on va réaliser un petit cornet avec du papier journal. On va venir rabattre les bords ainsi. Et enfin, on termine en repliant le fond. Voilà notre petite cornette frite qu'il ne reste plus qu'à remplir. Et voilà, c'est terminé. Pour réaliser ces frites de légumes, il nous faut des mini fenouilles, des carottes, de la courgette, de la farine de riz, de l'eau, du panko, un petit peu de sel et de l'huile. Si vous voulez retrouver d'autres recettes à base de légumes, retrouvez-moi sur Disney Channel, chez Rémi, là où tout le monde peut cuisiner. À bientôt!